Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation d'une vidéo de la semaine. Donc on a mis cet effet-là dans les incontournables, hein, dans les tours, on va dire, qui sont limite presque obligés d'avoir quand on commence la magie, ou quand on fait de la magie tout court, parce que ça reste quelque chose de vraiment spectaculaire pour les gens. Alors je vais vous parler donc de celle-là de version, donc qui est la News Limited Edition. C'est ça? News Limited Edition, voilà. Donc qui est le tour classique des cartes qu'on fait penser, et puis bon, on referme, et puis quand on réouvre, la carte a disparu. Donc ça s'est fait à la télé par Copperfield, ça se fait avec des cartes basiques que vous trouvez en format bridge. C'est vraiment le tour vraiment classique, hein, donc tous les magiciens comprennent comment ça fonctionne. Mais l'impact est extraordinaire. Surtout que dans cette version-là, alors c'est pas une version nouvelle, hein, c'est marqué News, mais ça date déjà de. Déjà quand je vois ici Gordon Bean, 20 ans, je l'avais déjà. Voilà, que retour en 1995, édition fait par Larry Jennings. C'est vieux, voilà. Ça c'est un truc que j'ai dans ma pochette. Ça c'est un incontournable. Donc ils l'ont appelé News, mais c'est quelque chose de très très vieux. Et qui fonctionne à la perfection. Alors c'est fait en... Bon, là j'ai préparé un de mes tours, mais c'est fait donc en qualité bicycle. Donc là, il n'y a aucun souci, c'est sur la carte bicycle. Et l'avantage de cet effet, et de celui-là plus particulièrement, c'est qu'en plus il est livré avec des versions qui sont un petit peu underground. Hein. On connaît tous la version où on éventaille, on retourne, on rééventaille, et ça y est, il s'est passé un miracle. Et bien là, il va se passer ça, mais de différentes façons. C'est-à-dire la carte va commencer progressivement à disparaître, puis elle disparaît. Ou alors, vous faites la version classique, on pense à une carte, et on referme, on claque des doigts, vous faites tout votre baratin que vous voulez, et vous ouvrez, la carte, elle est complètement blanche. Ou alors, la version ultime, qui déjà, là, commence à faire un petit peu mal à la tête. Hein. D'ailleurs, vous verrez les vidéos, je l'ai fait à un gars qui connaît... déjà ça, et puis là il dit, oh tiens, mince, il y a ça en plus qui m'a un petit peu perturbé, c'est qu'on fait exactement le même tour, on fait choisir une carte, enfin on la fait penser, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on la fait penser, en aucun cas elle est choisie, elle est pensée, c'est ça qui est extraordinaire dans ces effets-là, et on lui dit de faire disparaître la carte, et puis enfin, d'imaginer que la carte disparaît, tout ça, donc puis effectivement... La carte disparaît, on lui demande même pour être sûr qu'il triche pas, parce qu'il pourrait nous dire une autre carte à la fin, il dira ah ben non c'est pas ça là que j'ai pensé, de mentalement déchirer un coin de son index de cartes. C'est ce qu'il fait mentalement, et ce qui est bizarre c'est que quand on va réouvrir, et vous verrez la vidéo, il manque un index sur cette carte, la carte est complètement vierge, elle est devenue blanche, et cette carte, cet index de cartes, il est dans l'étui, on le ressort, et pour prouver que c'est vraiment sa carte qui a été choisie, il manque un index, et c'est le bon. Donc ça met un petit coup à la fin. Il était dans ta poche. Oui, dans la poche ou dans la boîte. Moi j'avais mis dans la poche, mais ça peut se terminer et se finir dans la boîte si on n'a pas envie de se trimballer ça dans la poche. Et voilà. Donc c'est vraiment très très bon. Comme il dit Thierry, c'est un incontournable. Parce qu'il faut imaginer dans la tête des gens que c'est un tour où on ne demande rien. C'est-à-dire on éventaille un petit paquet, il pense, on referme. Et en gros quand on réouvre, c'est la seule carte qui a disparu. C'est miraculeux pour les gens. On n'a toujours rien demandé, on n'a même pas parlé, on n'a même pas regardé. Exactement, on fait pas de choix équivoque, on ne demande pas si c'est rouge, si c'est noir, on ne pose aucune question. Après, on peut l'agrémenter de différentes façons, et vous verrez comment j'ai fait moi la vidéo sur la version ultime. Et voilà. Si on a envie de faire un tour très rapide, tiens, pense à regarder une carte, c'est bon, hop. Exactement. J'ouvre le paquet, elle a disparu, voilà, ça va très vite, et c'est perturbant. C'est comme le jeu invisible, on dit, hein, le jeu ultra mental. Il y a beaucoup de magie qui disent, oh ouais, oh, ça va, c'est bon, c'est un jeu qui coûte 12 euros, c'est connu, ça fait longtemps que ça existe. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Mais quand on voit l'impact que ça crée sur un spectateur, c'est exceptionnel. Il faut imaginer une carte qui est juste pensée. Bon ben là voilà, c'est juste fait avec quelques cartes aussi, sauf qu'il y a des petites variantes à la fin qui rendent que le tour est exceptionnel. Perso, mais voilà, j'adore. Donc cette version, je répète, donc c'est la limited edition news. Donc c'est comme nous on l'a sur le nom sur le carte pensée, je crois, sur le site. Non, c'est le même nom. C'est le même nom. Voilà. Donc ça, vous pouvez les yeux fermés. Je vous garantis que si vous connaissez,
enfin que vous connaissez le principe mais que vous connaissez pas cette version, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous régaler parce qu'il y a vraiment du plus. Et si vous connaissez pas, ben, encore plus, vous allez vous régaler aussi parce que c'est vraiment vraiment excellent. Et si Donc vous avez compris l'astuce en regardant la vidéo, sachez que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'impact que vous allez produire sur le spectateur. Voilà. exactement. Donc voilà. Voilà. Allez, à bientôt. Barbara, une autre version qui t'a fait tirer de la carte pensée, mais ce coup-ci, on va le faire. Enfin, non, on va le faire comme ça, regarde. L'idée est la suivante. Donc, toujours pareil, hein. Tu penses à une des cartes, celle que tu as envie. C'est bon, c'est fait? Et regarde bien. Ce coup-ci, je vais. T'as vu tout à l'heure, tu l'as pas vu disparaître, mais là, on va la faire disparaître, juste comme ça, en twistant un petit peu. Regarde. Dès qu'on fait ça, ta carte, elle commence à disparaître. Et on le voit qu'elle commence à disparaître parce que si maintenant je passe les cartes une par une, tout doucement. Hop. C'est bizarre parce qu'il y a une carte qui commence à changer de couleur. Je sais pas si tu la vois. Ben ouais. Mais on pourrait faire beaucoup plus fort parce que si tu twistes encore un petit peu comme ça, et bien elle avait commencé à disparaître, mais maintenant elle a réellement disparu. Parce que si tu pousses un petit peu les cartes comme ça, tu vois, Oui, blanche. on se rend compte que maintenant elle est devenue blanche. Mais quand je dis blanche, c'est réellement blanche. Quand je dis blanche, c'est blanche des deux côtés. Merde. Mais au fait, c'était quoi le nom de ta carte? C'était le 5 de pique. Le 5 de pique? Oui. T'es sûr? Oui. Parce que si tu regardes.